Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo où on va partir plus au nord. Là, on est au sud, comme vous voyez. Alors aujourd'hui, on va partir un peu à Mamoudzou. On va voir un peu la capitale. Je ne vais pas là-bas pour traîner, mais vu que je vais passer là-bas, je vais essayer de vous montrer un peu les bons coins que je pourrais vous montrer, tu vois. Regardez-moi cette beauté de vue. Enfin, arrive à Mamoudzou. Du coup, là, on va faire deux trois petites paperasses et ensuite je vais essayer de vous montrer quelques images de notre capitale. A few moments later. Enfin, fini les paperasses. Je cherchais le passage piéton, je le trouvais même pas. Go in. Ici, le comité du tourisme. Après tout, là-bas, il y a les bars et tout. Ah, là, le truc là. Mayotte française et le restaurant à jamais. Magnifique. Là va vous. Je vous laisse profiter un peu. On va rentrer dans le marché. Quasiment tout ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a les ananas partout. Les jet skis sont là. On sort déjà du marché. On n'a même pas eu le temps de. En fait, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout visiter. Parce qu'on n'a pas le temps, c'est tout. Et là, on doit directement remonter vers le centre. C'est surtout pour montrer aux non-maorais. Parce que nous, on connaît déjà tout ça ici, comme des touristes. Tu connais tout, Mamoudzou. C'est surtout pour vous, pour que vous voyez un peu. Okay. Il fait frais ici. C'est bien de rester dans le centre commercial. Au moins il fait frais ici. Elle n'arrive pas à porter. Ici en fait on a Coconi. Ils vendent des pépinières de tous les fruits ou je sais pas quoi là, les orangers. Là, on est carrément rentré dans le lycée agricole. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours. Écoutez, il me reste pas beaucoup de jours ici au bled. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les derniers jours que je vais passer ici. Je vais essayer de vous montrer le maximum de choses parce qu'il y a plein de choses que je pourrais pas faire. Déjà, il y a le Mont Songhi, je pourrais pas. Il faut savoir, je suis pas en vacances ici. Je suis pas en vacances. C'est vrai que j'ai pas pu filmer tout le temps. Là, on est vendredi et je pars mardi. Il me reste moins de jours. Vendredi, aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi et mardi, je pourrais pas filmer parce que c'est le jour où je pars. En tout cas, je vais vous montrer un peu la vue. Appréciez-moi cette vue là. Ça c'est ce que j'ai tout le temps. Moi je me pose ici. En plus il y a le Mont Songhi là-bas que je voulais y aller mais je peux pas. Normalement, si on a le temps lundi matin, on retournera en Nguja. Donc suivez-moi pour la suite de mes aventures. D'ailleurs si t'es pas abonné, abonne-toi. Et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur Insta aussi, suivez-moi sur Insta. Je vous mets juste en dessous. Gad, tiré du bas, SBH, allez me suivre. Je vous mets plusieurs photos de... Des photos de Mayotte quoi, des photos de... Du soleil. Là, il est 8h et le soleil brille comme jamais. Il y a la mer à côté. Que demander de mieux? Je vais me préparer. Et on prendra la route pour. On sait pas où on va. Bon, bah, suivez-moi. C'est parti. Je viens d'arriver à Mangajou. Rien de bien intéressant à vous montrer. De toute façon, ce matin, il n'y a pas grand chose à vous montrer. On verra plus tard les trucs à faire. Les amis, je suis déjà rentré chez moi. Hey, même chez...
Ne me cherchez pas, je suis dans le noir. Ne me cherchez pas à comprendre, je suis dans le noir. Parce que je suis sur le toit là et il n'y a pas de lumière. Regardez, en fait, on voit rien du tout. Regardez, il y a une étoile tout en haut là-bas. Et en fait, je suis sur le toit et tout le temps, je viens là. J'apprécie les étoiles. Là, vous ne voyez même pas les étoiles. Mais là, il y a une grande, là, je la cache. Il y a une grande étoile là. Et il y a une autre. Il y a du tout là-bas, là. Celle-là, là-bas. C'est pas une lumière. Enfin, c'est pas un poteau. Du coup, moi, je viens là tous les soirs et j'apprécie le... Ah, il fait bon, là. Après, là, je vais aller manger, là. Après, je vais dormir. Là. Hello, la famille. Avant-dernier jour à Mayotte. On est lundi. Je pars demain mardi. Bah, je suis où? En Gouja. C'était obligé que je retourne ici. Allez, on va profiter. Oh, le pont. Le pont magique. Je vais profiter de la mer, bien comme il faut. Comment tu vas? Bien ou pas? Tu fais le parcours du combattant là? Je vais te la ramener à un enfant. Salut! C'était quoi ça? T'es éclaté! T'es trop nul! Bruh! Mais c'est trop nul! Oh! T'as mal? T'es mort? Non. Oh bah nickel ça! Elle est tellement chaude, regardez, en plus elle est trop. Regardez comment l'eau elle est belle. En plus aujourd'hui c'est magnifique, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, je vais me mettre à l'eau, il ne faut pas que le téléphone y tombe. Ouh, regardez, c'est une piscine. C'est une piscine ouverte. Alors quand j'ai fait le plongeon, j'ai failli me casser l'épaule. Eh mais j'ai réussi à faire un salto arrière. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Eh, je vous jure, c'est une piscine. Genre je me souviens quand on partait à Saint-Malo. En Audren là ou Dinard. Il faisait tellement chaud, genre 30 degrés, 34. Mais. Oh, ça m'a fait crâne. Mais genre l'eau elle est tellement froide. Alors qu'ici, c'est magnifique. Je pourrais même pas vous filmer les coraux parce que j'ai pas ramené les trucs pour filmer avec le téléphone sous l'eau. Et j'ai pas de GoPro. Et je profite un maximum parce que je vais rentrer demain, vous vous rendez compte. En plus là, on doit aller genre à la forêt, à la campagne, pour aller chercher des trucs pour la daronne, tu connais. On doit aller ramener des fruits. Tu connais. Mi prête à droite, mi prête à gauche. Je sais pas si vous me voyez, mais je vais faire quelque chose de incroyable. Regardez. Tidim. Bon, il est temps de rentrer parce qu'on a un autre chemin là, on a un autre truc à faire. Bon, on va se retrouver pour de nouvelles choses. On continue l'aventure. Allez, c'est parti, on continue. Franchement, je suis dégoûté de partir là. Et regardez la plage derrière, c'est magnifique. Mais oui, je peux pas tous les arrêter, hein. Mayana, ma terre de refuge, le succès, la fortune ne feront pas oublier le goût des épices. Des épices. Sous l'ange, je trouvais ton éducation. Désormais, elle me conduit très loin des vices. Mon PAC en poche, ma très chère île, je te quitte. Mais jamais on sera quitte. Je sais où je vais, je sais d'où je viens.
J'oublie pas les repères. J'avance avec l'amour des miens. Moi je garde mon pas. Les amis, on est arrivé à l'aéroport. Ça fait déjà 30 minutes. Et là, notre vol, il est à 16h. Et il doit être midi. Midi, donc on va attendre 4h pour le vol. Oui, là-bas c'est Corsair. Ah là là. Nous on va à l'embarquement. C'est parti. Pololo, polo, 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 pololo, polo, polo. Une fois que le signal lumineux apparaît, le personnel de bord vous montre comment attacher, ajuster et détacher votre ceinture. Pourquoi faire? Petite escale à La Réunion. Je vais avoir une story que je vais envoyer. Je vais vous l'envoyer. Tac. Franchement, en vrai, je préfère les vols directs. Parce que là, faire des escales, c'est fatigant.